Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Oh, je croyais que c'était moi. On espère que vous allez bien, voilà, nous ça va super. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une story time. Alors, aujourd'hui on va vous raconter un peu comment on s'est rencontrés. Avant de commencer, on espère que la première vidéo vous aura plu. On a reçu des gentils commentaires. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui se sont abonnés. Qui se sont abonnés, continuez de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager encore plus. Voilà, et lâchez des pouces bleus, commentez. Après, dites-nous si... on doit améliorer des choses. Voilà, s'il y a des choses à améliorer, dites-nous encore. On est réceptif, on reçoit. Voilà, donc du coup, on va vous expliquer comment on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va commencer... Faut commencer. Bon, moi personnellement, c'était le 24 décembre 2016, la nuit du 24 au 25 décembre. On ment pas ici. On ment pas. Ok. Ouais, pourquoi on va mentir? C'est allô. Bon, c'était la nuit du 24 au 25 décembre 2016. C'était Noël. Bref, j'étais avec mes soeurs et personnellement, je voulais pas sortir. Mais ils m'ont forcé à sortir pour aller s'amuser et tout. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on va en boîte. Et puis j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un anniversaire d'un certain quelqu'un. Et puis faut dire son nom. Bon, c'était l'anniversaire d'un certain Evie DJ phénoménal. donc du coup, on a dit bon, on va y aller même si on n'était pas invité. Donc du coup, on arrive là-bas et on croise. Donc vous venez d'anniversaire des gens, vous n'êtes pas invité, vous venez d'anniversaire. Ben, peut-être on sera invité après, tu sais pas. Mais tu es déjà là. On est arrivé. On est arrivé et puis on croise le Evie DJ en personne. Et puis il nous dit, oh salut les filles, vous allez bien et tout, je vous invite à mon anniversaire et tout. Et puis nous on a dit, bon ok, vu qu'on veut rentrer en boîte, on va faire semblant quoi, tu vois. Donc on s'est donné un défi. Le défi c'était d'avoir celle qui aura en premier un numéro de téléphone. Des mecs bien sûr. Donc du coup, on est rentré en boîte, on a commencé à danser, nanana. Et puis, on voit un groupe de mecs arriver. La vidéo, ça va être des filles. Et quand je vois le mec, il y a mon autre soeur qui me dit, regardez le mec derrière en pull blanc et tout, il est beau, nanana. J'ai dit, bof, c'est pas trop mon style, quoi, tu vois. Et puis quand je dis c'est pas mon style, franchement j'étais pas du tout partie en boîte pour dire que voilà, j'y allais pour me trouver un mec. C'était pas du tout mon idée. Donc du coup, arrivé là-bas et puis bref, on a arrêté de danser directement parce que après ils ont pris la piste pour eux. Mais qu'est-ce que tu veux? On est ivoirien, regarde la danse là, c'est de notre sang. Donc du coup ils ont pris la piste pour eux, donc du coup nous on était à côté, sur le côté. Et puis, même pas 5 minutes plus tard, je le vois, il arrive, il me prend pour aller danser. J'ai pas capté comme quoi c'est lui qui l'a fâché sur moi. Donc, du coup, il est arrivé, il m'a pris, on est parti danser et tout. Et puis, je me suis dit dans ma tête, mais il me fait quoi, tu vois? Et puis, les autres mecs qui étaient autour de lui aussi sont venus prendre mes soeurs et puis tout pour aller danser. C'est tout. Et après, bof, j'ai continué le jeu, quoi. J'ai dansé avec lui et tout et tout. Et après, franchement, j'étais vraiment pas intéressée par lui. Mais après, voilà quoi. D'accord. Ça, c'est. Ça, c'est la première partie. Moi, en fait, moi, j'étais là. J'étais dans mon appartement. Et que charme, j'étais dans un appartement 9 mètres carrés. Donc, j'étais là-bas et tout. Genre, j'ai mon pote. Enfin, j'ai des potes Charlie, Sandy. Et à l'époque, j'étais amie avec une autre fille aussi. Aujourd'hui, on se parle plus. Enfin, on s'est perdu de vue. Et c'était l'anniversaire de Evie en question. Donc, ils ont dit, ah, allons l'anniversaire de Evie et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai dit, Joe, il y a Foy. Enfin, il n'y a pas de souci, on y va. Non, on s'est habillé, on s'est bien sapé, on est parti. Moi, je suis en train de danser. Non, j'étais assis d'abord, mais j'étais en train de laper mes despés. Enfin, j'étais en train de boire mes despés. Et puis, il y a mon ami qui me dit,
Ah, il y a un groupe de filles qui est en train de rentrer là, il faut regarder, Charlie. Donc il dit, ah, elles sont Zoé. Qu'est-ce qu'elle a, parce qu'elle avait mis une couronne de fleurs genre sur sa tête et tout. Il dit, il a vu qu'elle a mis la fleur. Ah, c'est un bon petit modèle, c'est un bon truc quoi, genre, ah, elle me met ça sous la dent et tout. Je suis gênée. Donc, Charlie me dit, ouais, allons et tout. J'ai dit, non, attends, genre, ah, bois un peu les bières, on va se... On va être un peu, on dit pompette ou pimpette, c'est qu'elle suit. Pompette. Enfin, chez nous les Ivoiriens, on dit genre, on va être bien quoi. Genre, en gros, t'es pas ivre, mais t'es pas trop lucide. Genre, t'es au milieu. Juste quoi, au genre, milieu. Attendons à cette partie-là, et puis on va aller et tout et tout. Donc, il a dit, ok, y a pas de souci. Donc, on a commencé à boire et tout. Après, j'ai dit, bon, allons. Mon mec, il prend la fille pour danser et tout, mon chien. On a dansé, dansé. Et puis, après, vous savez que nous, les Ivoiriens, genre, on appelle tout le monde bébé. Ton ami, tu l'appelles bébé. Ta soeur, tu l'appelles bébé, genre. Ou bien quand on va en boîte, quand on danse et tout, on est tous collés, mais pourtant, on est des amis. Je sais que c'est pas la même chose chez les autres, mais nous, c'est comme ça. Et du coup, elle s'est dit que... Parce que je dansais comme ça avec Sandy. Donc, elle s'est dit que Sandy, c'était ma meuf. Donc, à un moment, elle est allée dans son coin. Et yo, vois, il y a un gars là-bas qui s'en va la prendre pour aller danser. Donc, mon cœur, il dit lui la même. Il dit quoi, même? Mon cœur était chaud en même temps. Hey Joe, moi, mon biscuit est mouillé là. Toi, tu es venu manger ça. Donc, j'ai biscuit. J'ai encore dit mon biscuit, c'est. Biscuit, c'est pas bien. Non, il y a des biscuits qui sont dégueulasses. Ben, toi, tu ne t'appelles pas un biscuit dégueulasse. Il faut dire agenda, Seigneur. Bon, mon agenda c'était là-bas. Et du coup, je suis allé, le mec était en train de danser. Le mec là-même, il était bizarre. Ah, moi-même, je me suis blessée. Waouh, c'était nécessaire. Ben oui, parce qu'on voit comme ça. Donc, du coup, le mec en question, il est là en train de danser. J'ai dit, mais lui là, hé! Hey. Donc je suis partie. Elle-même, elle se sentait gênée en fait. C'est après, elle m'a dit ça. Elle se sentait gênée. Elle savait pas comment jeter le mec, mais elle voulait pas le blesser et tout et tout. Donc, moi, je suis venue, je l'ai prise, genre comme si je la connaissais bien et tout. Je l'ai posée. J'ai dit, bon, viens, on va se voir dehors. J'ai pris la go, on est parti dehors. Je dis, ah, c'est comment et tout. Tu es venue avec qui et tout. Elle dit, ah, elle est venue avec ses soeurs, etc., etc. Que voilà, voilà. J'ai dit, ok, mais vas-y, lâche-moi ton numéro et puis on va se capter. Elle n'a pas hésité, elle a donné le numéro, elle a donné le 06. On lui a dit qu'il n'y a pas de souci. Attends, c'est lui qui a pris mon téléphone, il a mis son numéro sur mon téléphone et il s'est appelé pour avoir mon numéro. Ben, je t'ai dit, donne-moi ton numéro. Et puis tu m'as dit, mets ton numéro et appelle-moi. C'est faux. Eh, Chaïma. Bref, donc c'est moi qui ai mis... Pour pouvoir mettre mon numéro dans son téléphone, il faut bien que je lui ai demandé pour qu'elle me donne. Parce que je n'ai pas mis ma main dans ses poches, n'est-ce pas? Donc, je lui ai demandé, elle m'a donné, j'ai mis mon numéro, je me suis appelé, elle avait mon numéro. On est rentré à la maison, genre ça c'est fini. Puis quand on a fini là, moi je suis parti retrouver mes amis, elle est partie retrouver ses soeurs. Le lendemain, j'envoie un message à la boue, je dis, ah c'est comment? C'est le mec de la boîte d'hier, c'est comment genre, j'ai pris ton numéro et tout, t'habites vers où? Elle m'a dit, elle habite à tel endroit. Je dis, ah ben vas-y, on se capte aujourd'hui. Soit c'est moi qui viens chez toi, soit c'est toi qui viens chez moi. Moi, genre, je partais droit au but, quoi, genre, Joe. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je n'étais pas très, très intéressée. Mais vu qu'il insistait, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire l'effort de lui répondre. Donc, il m'a demandé, ben viens chez moi alors. Parce que moi, personnellement, je ne voulais pas qu'il vienne chez moi parce qu'il y avait encore mes soeurs. Donc du coup, il m'a dit, bah, viens chez moi et tout, voilà le bus et tout et tout et tout. Donc moi, je lui ai dit, j'espère que tu vas faire manger parce que j'ai faim, quoi, tu vois. Pourtant, elle ne voulait pas me voir, mais elle voulait manger. Donc, les Ivoiriens disaient, elle voulait foufa mon dabaï. Donc il me dit que, ah, par contre, il n'y a que de la sauce de chez nous, donc du coup, je ne sais pas trop si tu vas manger et tout. Il me dit, bon, on va voir ça. J'arrive, je descends du bus, je vois un mec, j'ai dit, mais... Attends, c'est pas le mec que j'ai croisé. Attends. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est le vrai mec là que j'ai croisé en boîte? Je regarde et je dis, hey, tu, oui, c'est lui. En fait, au début là, j'accrochais pas trop.
trop. Mais elle profite du temps, franchement, on a appris à se connaître. Ouais. Et... Mais attends, t'es pressée. Quand elle est venue là, elle est arrivée chez moi. Là, je l'ai attrapée comme ça. Je dis, c'est comment? Que tu sais, moi là, tu me plais. Il voulait m'embrasser, mais je n'ai pas allé par quatre chemins. Donc je voulais lui faire un bisou. Elle a fait wesh. Tu m'as pris pour qui toi? Et hey, mon chien. Elle était genre en mode wesh dead. J'ai dit, de mon cœur là-bas, j'ai dit, hé. Hey. Aski qui veut voir si c'était une fille facile ou pas. Faut pas la fille là-bas crier dans la résidence ici, ils vont venir m'attraper. Je n'ai pas mes papiers au complet. Parce que je venais d'arriver, j'ai fait que. Comment on appelle j'ai fait. Quand tu viens d'arriver là, tu vas à l'office. J'avais que office de mon papier. Enfin, de mon papier, de mon passeport. Ils vont dire que. Hein? L'OFI pour les étrangers, quand tu arrives, ton premier titre de séjour, c'est dans ton passeport, c'est l'OFI. Enfin, j'ai oublié le vrai mot, mais c'est quelque chose de séjour. Ok, pas sûr. C'est sûr, c'est ça. Donc, il dit, hey, faut pas, ils vont. Donc, moi, en fait, dans ma tête, j'ai dit, si j'essaie de l'embrasser, que elle cède, c'est que la boule, là, c'est bingo facile. Mais je m'attendais pas aussi à ce que la fille la fasse comme ça. Donc j'ai dit non, il y a feuille et tout. Mon chien, il n'y a pas de souci. Donc on se revoit et tout. Ça c'était quand le 25, non? Parce que c'est la nuit du 24 au 25 ou la nuit du 25 au 26? Du 24 au 25, on s'est vu le 26. Du 24 au 25, c'était genre l'anniversaire. Et le 25, c'est là qu'elle est venue chez moi. Et on s'est pas revu jusqu'à ce que je parte. Non, en fait, et avant qu'il parte à Paris, parce qu'il devait. Oui, parce qu'en fait, c'était à Saint-Étienne. Et du coup, il me disait, allez, m'envoyer chaque fois un message, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que ça peut se voir. Mais moi, personnellement, vu que j'étais pas trop ça, je lui disais que, ah non, je sors avec mes soeurs, donc je peux pas venir te voir. Tandis que non, j'étais couchée à la maison, tu vois. Et je disais que non, je dois sortir avec mes soeurs parce qu'ils sont venus en vacances, donc du coup, on est sortis et tout. Donc je me faisais un peu galérer pour voir s'il allait vraiment tenir et tout. Après il a tenu un peu quand même. Quand il est revenu de Paris, on s'est revu. Même genre, excuse-moi de te couper, à Paris, quand j'étais à Paris, genre je lui ai envoyé un message, salut bébé, elle me dit Je savais pas quoi dire, franchement tu m'appelles bébé, on est le bon. Elle me dit déjà tu m'appelles pas bébé, je suis pas ton bébé quoi. Chez nous à Abidjan, on appelle tout le monde bébé, genre salut bébé, coucou chérie. Chose que je ne supporte pas. Et du coup, elle me dit je suis pas ton bébé, on vient à peine de se rencontrer, il n'y a même pas eu trop de trucs entre nous, tu m'appelles pas bébé. J'ai dit il s'est tombé sur bois, hein. Ah, c'est bois dur, même. Mais elle a cassé ça. Non, dans sa vie, bébé, jusqu'à. Je suis venu, parce que j'ai mon père sur Paris. Donc, je suis venu à Paris et tout. Genre, j'ai fini mon séjour. Je suis rentré, je lui ai envoyé un message et tout. Je dis, bon, faut qu'on se voit. Je suis parti, on s'est pas vu. Donc, là, soit tu viens chez moi, soit je viens chez toi, mais faut qu'on se voit aujourd'hui. Puis elle m'a dit, ouais, tu peux venir chez moi et tout. Je suis arrivé chez elle. Et après, il est arrivé chez moi. On a commencé à se parler et tout et tout. Et puis bon, après j'ai dit, je l'ai fait un peu quand même galérer. C'est vrai que on s'est parlé et puis voilà, j'ai commencé à avoir ce petit truc. Ouais, ce petit là. Et après, après il est venu chez moi. J'ai dit, ok. Il m'a demandé si, bien sûr, comme veux-tu sortir avec moi. Et puis j'ai dit, écoute. Et puis j'ai embrassé. Elle m'a pas dit oui. Je lui ai pas dit oui. Elle m'a embrassé. Je l'ai embrassé directement. Et puis je lui ai dit, vu que je t'ai embrassé, ça fait tout dire, quoi. Il était tellement heureux. Il était content. Il voulait même plus partir chez lui. J'ai dit, mais wesh, rentre chez toi. Tout squatter chez toi quand même. Il voulait pas rester dans son 9 mètres carrés à Saint-Étienne, donc du coup, tu squattais chez moi. Du coup, c'est comme ça que depuis le 3 janvier 2017,
on a commencé à sortir ensemble. C'était les montagnes russes. Ouais, mais ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et c'est franchement, c'est une femme merveilleuse. Je suis avec elle. Elle me supporte. Franchement, c'est la première fois qu'elle me fait découvrir. Oh, voilà, voilà. Ça va. Non, je la supporte, elle me supporte. Et c'est ça en fait qui fait. Je profite. C'est pas tous les qui jours. Qui crée ce truc là entre nous, quoi. Voilà. Bon voilà les amis, c'est la fin de la story time. Parce que si on veut parler, on va rester là pendant des heures et non, des heures. Non, franchement, il est trop bien ce mec. Donc du coup, voilà. On espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner et à partager et à liker surtout. Et partager un masque les amis. Un masque. Eh Dieu. Donc continuez à partager, à soutenir. Franchement merci beaucoup déjà pour la première vidéo. Je le dis encore merci pour vos partages, pour vos commentaires. Franchement ça fait chaud au cœur. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.